Il est toujours amusant chaque année de trouver le 11 type de la saison. Mais il faut faire des choix et tout le monde n'est pas d'accord. Nous avons essayé de représenter les joueurs des meilleurs clubs de la saison. Ceux qui représentent les meilleures capacités comme la meilleure défense, le meilleur passeur ou le meilleur buteur. Une équipe qui pourrait jouer ensemble. Pas d'Openda, pas de Jonathan David ou d'Alexis Sanchez. Mais voici donc notre sélection. On débute par le gardien de but indiscutable Brice Samba. C'est le meilleur gardien de la meilleure défense en France. L'ancien joueur de Marseille, Nancy et Caen a brillé. C'était pourtant une recrue cette saison au Racing Club de Lens. Il a récemment été appelé en équipe de France par Didier Deschamps et a brillé dans presque tous les matchs. Brice Samba s'est imposé et est rapidement devenu une valeur sûre, une valeur très sûre de la Ligue 1 Uber Eats. Notre équipe évolue à 4 défenseurs. À droite, nous plaçons Przemyslaw Frankowski. L'international polonais a joué la Coupe du Monde. Il a réussi des matchs incroyables en Ligue 1 Uber Eats, marquant 5 buts pour 3 passes décisives. Il a même marqué un but à chacune des 2 rencontres jouées contre le Paris Saint-Germain. Positionné à gauche lors de son arrivée à Lens, il évolue plutôt à droite cette saison après le départ de Jonathan Klaus. Et ça ne lui pose pas de problème. Une grande polyvalence, une qualité de centre qui n'est plus à démontrer. Frankowski s'est largement imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Encore un nouveau joueur cette saison en Ligue 1 Uber Eats, une recrue de l'OM, Chancel Bemba. Un joueur très expérimenté qui a beaucoup joué la Ligue des Champions avec Porto les années précédentes. Il est rapidement devenu très efficace tant en défense qu'en attaque car il a mis 5 buts, pas mal pour un défenseur central. Chancel Bemba a joué 36 rencontres cette saison, devenant un pilier de la défense de l'Olympique de Marseille. Il a été présent dans tous les gros matchs, a tenu la défense et permis à Marseille d'obtenir la 3e place au final. Déjà 2 Lensois dans cette équipe, voici le 3e, Kevin Danso. L'international autrichien a été extrêmement solide toute la saison. C'était même l'un des pires défenseurs à affronter pour tous les attaquants du championnat. 37 matchs joués pour un but marqué et 2 passes décisives. Mais également énormément de sauvetages sur la ligne à la dernière seconde. Une présence au marquage et une aide très importante pour tous ses coéquipiers. Danso était omniprésent et ne pouvait pas ne pas être dans cette équipe type. On termine la défense avec au poste de latéral gauche Nuno Mendes. Le jeune portugais n'a joué que 23 matchs cette saison à cause de blessures. Mais lorsqu'il était là, on a vu la différence. Il a déjà montré de grandes capacités à ce jeune âge, marquant même son premier but en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Il délivre également 6 passes décisives. Il obtient déjà son 2e titre de champion de France. Nuno Mendes continue à progresser et il essaiera de faire encore mieux la saison prochaine. Le milieu de terrain à 3, avec pour commencer Valentin Rongier, probablement l'un des tout meilleurs milieux de terrain en Ligue 1 Uber Eats. Toujours sobre, toujours placé au bon endroit. 36 matchs joués cette saison pour un but et 2 passes décisives. Mais ce n'est pas non plus le type de joueur qui brille avec des statistiques, mais avec tout le reste. Une présence de chaque instant,
Les ballons récupérés, le sens du timing, la gestion des temps forts et des temps faibles, tout y est passé cette saison. Un véritable pilier de l'Olympique de Marseille. Si Lille a réussi une bonne saison pour une cinquième place au final, elle le doit à certains de ses jeunes joueurs, mais également à l'expérience d'André Gomes. Beaucoup de blessures ont gâché une partie de la carrière de l'international portugais. L'ancien de Benfica, de Valence, du Barça et d'Everton était le guide parfait de l'équipe avec son compère du milieu de terrain, Benjamin André. Il était également un lien précieux pour son coach, Paulo Fonseca. André Gomes a parfaitement régulé le rythme des rencontres, orienté le jeu et il s'est même permis de marquer 3 buts et de délivrer 2 passes décisives. Sans surprise, le troisième milieu de terrain est lensois. Il s'agit de Seko Fofana, le leader du Racing Club de Lens. 35 matchs joués cette saison pour 7 buts et 5 passes décisives. Il a porté littéralement l'équipe sur ses épaules à des bons moments de la saison, mais également dans les moments plus difficiles. Il a également marqué des buts superbes et des buts très importants, notamment dans la fin de saison. Il était strictement impossible de faire cette équipe sans lui, sans l'un des tout meilleurs joueurs du championnat. L'attaque a 3 éléments avec d'abord Lionel Messi pour sa deuxième et dernière saison en France. Messi a réussi à être le meilleur passeur du championnat, mais pas que, car son total est phénoménal, 16 buts et 16 passes décisives en 32 rencontres. Il est également le meilleur dribbleur de la saison avec 103 dribbles réussis. L'Argentin a fait tout ce qu'il pouvait pour permettre au PSG d'obtenir un nouveau titre de champion de France. Et au milieu de ses gestes délicieux, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Une saison pleine en championnat et avec sa sélection pour Léo Messi. Quel retour en Ligue 1 Uber Eats pour Alexandre Lacazette. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais a répondu présent. Un leader, il a inspiré ses coéquipiers, porté l'équipe autant qu'il le pouvait. Même si le résultat collectif n'est pas à la hauteur de ses espérances, il a réussi le premier quadruplé de sa carrière contre Montpellier pour 27 buts au total. Il termine deuxième meilleur buteur du championnat juste derrière Mbappé. Auteur également de 5 passes décisives, il a largement pesé sur les résultats de l'OL. Une fois seulement en Ligue 1 Uber Eats, il a marqué plus de buts, 28, lors de la saison 2016-2017, juste avant d'aller à Arsenal. Et on termine bien sûr par le meilleur buteur du championnat, le meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats, Kylian Mbappé. Encore une fois, le meilleur du championnat. 29 buts cette saison pour 6 passes décisives en 34 rencontres. Il a également ajouté cette saison quelques lignes à son palmarès, marquant le but le plus rapide de la saison et égalant le but le plus rapide de l'histoire du championnat. Les matchs avec le Paris Saint-Germain ne suffisaient pas, alors il a également fait un triplé en finale de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé a encore répondu présent et continuera à le faire la saison prochaine en Ligue 1 Uber Eats. Cette équipe est donc apte à jouer de grands matchs et elle serait sans doute difficile à battre. C'est le choix de cette saison. On a déjà hâte de savoir qui va briller la saison prochaine pour un 11 type sans doute différent. On attend donc la suite et le début de la saison prochaine avec impatience.